Antoine est devenu fou sur son live. Oh, il fait ça pour attirer des vues. Venez, on fait du react à la chaîne de Antoine. Oula, non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais mettre. Attendez, on fait du react. Ads, please. I beg you. 20 ads, please. Ah, le nulos. Merde. We need more ads. Attends, ce qui... ça a été relique encore là? Non. Regardez, non, en plus, ça se voit qu'il sent mauvais là. Alors que moi, sur mon stream, il n'y a pas ça. On n'est pas en train de développer un concept où juste on met des streams d'autres gens et on réagit sur les streams d'autres gens. Je sais pas, moi, ils le font bien sur moi, donc il n'y a pas de soucis, quoi. Oh là, il a le seum, ça se voit. J'en ai rien à foutre, hein. Ça se voit qu'il rage, en fait. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Merci, Chiruvan, pour les 20 mois, merci beaucoup. Merci de Rosta pour les 10 mois, merci beaucoup. Vous avez vu comme il dit mal les pseudos? Mais no joke, j'ai plus envie de jouer, pour de vrai. Mais ouais, là c'est chiant, oh, merde. Regardez la mauvaise humeur sur ce stream là, venez ici plutôt. Ce concept qui a pourtant une chance d'arriver un jour. Mais en vrai, pourquoi personne n'a pensé à faire ça? Du stream, du react de stream en direct. Il y a une règle sur internet, c'est si jamais personne n'a creusé un endroit, même si c'est lamentable, c'est que les gens le feront plus tard. C'est pas le concept de Cartman. Ah mais si, t'as raison. C'est exactement le concept de Cartman. Les lives d'Antoine Daniel sont ultra toxiques. Ben non, ouais, normal. Hein. Le mec, il est ultra politisé déjà de base. Il paraît qu'il a insulté le président de la République. Alors que pourtant, le mec était super sympa. Il venait juste dire merci et tout. Merci beaucoup. Le mec, il a traité de gros fils de pute, je crois. Il me semble. Enfin, je... Après, je me trompe peut-être, mais je pense que je me trompe pas. Ça se fait pas. On est où, là? Ouais, c'est donc ça, l'idole des jeunes. Le fameux Antoine Daniel qui fait le buzz avec un double Z et qui déverse des torrents de vulgarité sur le pays qui l'a nourri et éduqué, qui lui construit les routes qui permettent aux livreurs Uber de livrer sa nourriture chez lui. Hein? C'est donc ça la France? C'est donc ça? C'est pour ça que s'est battu le maréchal Pétain? N'importe quoi. C'est pas ma France. Pas ma France à moi. Tout ce que tu ferais pas pour un best-of. Ah putain. On est vraiment les salopes du rewind. Hein. Sur ce stream. Ah, vraiment, on a aucune limite.